Le pass de Darius Rochobin semble le rattraper. Le présentateur vedette de la RTS, recrute par LCI pour la rentrée 2020, est dans la tourmente après des accusations des agressions sexuelles Polties contre sa personne, mais aussi des autres cadres du groupe suisse. En comme sequence, le quinquagénaire est absent de l'antenne depuis plusieurs jours. Reverra-t-on Darius Rochobin sur la chaîne YL Empire TF1? Un long combat judiciaire attend celui qui a incarné pendant plus de 20 ans le journal Tolevis de la RTS, s'entretenant avec des personnalités influentes à l'instar de Vladimir Poutine, Mireille Gorbatchev, Gérard Depardieu, en retrait de l'antenne depuis le lundi 2 novembre et une enquête revue par le média Helvet Le Temps, son absence de quelques jours pourrait s'apparenter à un départ définitif si l'incendie du moment n'est pas rapidement éteint. De l'autre côté des Alpes, Gilles Marchand, directeur général de la SSR, Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision, a déploré une grave crise tout en affirmant que des mesures avaient été prises dès 2017 contre Darius Rochobin après l'utilisation de comptes anonymes sur les réseaux sociaux. En attendant l'évolution de ce dossier, Adrien Gindre a pris la relève de son confrère pour la case de 20h. Dans la lignée des performances atteintes depuis le début de semaine, la tranche a rendu 130 000 curieux et 0,5 part de marche ce mercredi 4 novembre. Le canal 26 a subi de plein fouet le record des audiences enregistrées par Pascal Pro sur CNews, parvenu à séduire 615 000 irréductibles et 2,2 du public.